مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في ثاني حلقات يوميات جائزة الحسنة الثانية للغولف في نسختها 45 وكأس لالا مريم للغولف في دورتها 24. اليوم شهدت تنظيم منافسة البروم الخاصة بكأس لالا مريم، والتي تميزت بمشاركة صاحب سمو الملكية الأمير مولاي رشيد. مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في ثاني حلقات يوميات جائزة الحسنة الثانية للغولف في نسختها 45 وكأس لالا مريم للغولف في دورتها 24. اليوم شهدت تنظيم منافسة البروم الخاصة بكأس لالا مريم، والتي تميزت بمشاركة صاحب سمو الملكية الأمير مولاي رشيد. أما باقي التفاصيل نتابعها في Hein, les professionnels, le jeudi à l'aume ne démarre que jeudi. Ça compte là uniquement pour les amateurs. Et c'est quoi l'objectif exactement du programme ? Bah, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est pour faire plaisir aux amateurs, parce que c'est une manière de jouer avec le professionnel, c'est toujours bien. On voit du beau jeu et on est limite accompagné pendant 18 trous par un grand joueur, une grande joueuse. Donc, on a un professionnel qui nous accompagne. Des fois, ils sont gentils, ils peuvent même limite donner des cours, reprendre quelques petits coups. Des petits conseils. Et ils donnent des petits conseils. Donc, ouais. C'est vraiment bien de jouer avec un professionnel de ce niveau-là. Donc, ça fait plaisir à nos amateurs. D'accord. Alors, Mariam, parle-nous un peu de la participation marocaine. On a Mahal Haddioui et Lina Belmaté. Comment vous voyez cette participation ? Alors, effectivement, c'est les deux joueuses qui vont représenter le Maroc. Donc, Maha Hdioui, qui est la grande vedette marocaine. Je crois qu'elle a ses marques aujourd'hui sur le Ladies European Tour. Elle vient de faire d'ailleurs un très très bon score et un très bon classement sur le tournoi en Afrique du Sud, où elle a fait 3e. Et du coup, elle est montée à la 37e place du Ladies European Tour, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, je pense qu'elle est en forme pour attaquer la Coupe Lala Mriem. D'accord. Et Lina Belmaté, elle est amateur et c'est sa deuxième année. Donc c'est la deuxième année où elle joue la Coupe Lala Mriem. C'est une manière pour elle d'avoir de l'expérience et de jouer avec ses grandes joueuses avant de passer ses cartes et de devenir professionnelle. Alors Mariam, qu'est-ce qu'il y a à venir voir pendant cette semaine pour un visiteur, que ce soit sportif ou un visiteur normal ? Alors que ce soit un golfeur ou pas, c'est toujours très agréable de venir dans un golf, et surtout cette semaine au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat. L'accès est libre,
Donc, toute personne peut stationner dans le parking P4 qui est là pour les visiteurs. Une fois que vous avez stationné, il y a un portique de sécurité et ensuite vous avez des navettes qui vous accompagnent jusqu'à l'intérieur Sans de Dar es Salaam. invitation, sans badge. Vous n'avez besoin ni d'invitation, ni de badge, ni de rien du D'accord. tout. L'accès est vraiment libre. Donc, tout le monde peut venir au Royal Golf Dar es Salaam. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, il y a un food court, il y a un village, il y a même une crèche. Et puis, c'est agréable de suivre une partie de golf, que ce soit pour un joueur de golf ou pas, de voir de grands joueurs du niveau de ceux qu'on a reçus cette année. En tout cas, à l'intérieur de Dar es Salaam, cette semaine, c'est très agréable de marcher, il fait beau, on a une belle verdure, donc j'invite tout le monde à venir cette semaine à Dar es Salaam. Alors, Mariam, dernière question. La couverture médiatique de la Coupe l'Al-Mariam, comment vous le voyez cette année? Alors, nous avons beaucoup de journalistes de par le monde qui sont là cette année. Alors, l'année dernière, effectivement, on parlait de 490 millions de foyers touchés dans le monde, avec ces directs donc dans plus de 50 pays. Cette année, on parle de 300 millions nouveaux foyers qui vont être touchés grâce à Golf Channel, qui vont retranscrire donc ces tournois partout dans le monde. Merci beaucoup, مريم. مشاهدينا، بقاو مع برنامج يوم غد. نلتقي بكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.